you are so independent, freedom. It's like a 21st century, like riding with such a fun, and you can see everything. And you do it in a historical places, not like very new or very modern place. It's combined. Combination is very good. C'est les petits jeunes qui sont à deux dessus, alors ceux-là, ils font du n'importe quoi. Alors ils font du slalom comme ça. Donc un petit coup de klaxon, attention, on leur dit hey, les gars, écartez-vous. Et ils s'écartent en général. Mais ils font pas attention, les petits jeunes. Mais les adultes, non, ils font attention, c'est pratique pour eux. Et sauf ceux qui sont sur les trottoirs. Alors là, c'est horrible. Là, ils arrivent derrière vous. Il suffit de faire un pas à droite ou à gauche, ils vous rentrent dedans. Alors ils vous passent tout près de vous, à 25 à l'heure, mais ils vous cassent un bras, ils vous cassent la tête, c'est très très dangereux, sur le trottoir. Je revenais de mon travail et je traversais le jardin des Halles, qui s'appelle le jardin Nelson Mandela. Et en plein centre de ce jardin, j'ai été percutée par une trottinette électrique que je n'ai ni vue ni entendue car elle est arrivée dans le dos, épaule gauche. Et du coup, j'ai été projetée au sol sur le bras droit. Et j'ai eu le bras cassé en plusieurs endroits, le radius, le cubitus, un arrachement osseux, une main totalement déplacée. Voilà. J'ai senti immédiatement que c'était important. Et j'ai demandé au jeune homme qui m'a percuté, qui avait fait demi-tour. Lui n'est pas tombé de sa trottinette. Hein. Il m'avait dépassé, il avait fait demi-tour, il est revenu et je lui ai dit appelez immédiatement les secours, je sens que c'est cassé. Parce que donc, j'ai besoin de cette main, j'ai besoin de la retrouver. Le diagnostic est réservé. Il faut attendre comment ça cicatrise, ensuite il faudra faire une rééducation qui sera forcément difficile, délicate. Voilà, donc je pense pas pouvoir rejouer vraiment avant la rentrée et de septembre. Et voilà, aujourd'hui je peux rien dire. Et les médecins non plus. Je vais être en observation de façon régulière. Mais c'est vrai que chaque semaine est marquée par un fait divers. Une personne handicapée empêchée de circuler sur un trottoir, une mère de famille et son enfant bousculés en traversant la rue, une femme percutée dans un jardin et victime de plusieurs fractures à la main, ça n'est plus possible. Mon rôle de mère, c'est de défendre ces victimes et d'éviter, bien sûr, qu'il y en ait d'autres. Alors, avec mon équipe, mais aussi avec les maires d'arrondissement et avec la préfecture de police, j'ai décidé de prendre de nouvelles mesures. Je demande aux opérateurs de toutes les trottinettes électriques qu'ils brident à 20 km/h dans tout Paris et à 8 km/h dans les aires piétonnes, les aires de rencontre, les zones, les aires les plus centrales, que ces trottinettes soient bridées, alors qu'aujourd'hui, elles sont sur 25 km/h. Dans ce cas-là, pourquoi ce choix ? Et est-ce qu'il est allé évoluer ? Et est-ce que la date municipale ? Enfin, sur le nombre de trottinettes électriques, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a déjà trop. Je demande donc aux opérateurs, dès maintenant, de réduire leur flotte jusqu'à l'adoption de la loi mobilité qui va créer le cadre légal dont nous avons besoin et que nous attendons. Je pense qu'il va de leur intérêt, et notamment de leur intérêt économique, de suivre
cette demande que je leur formule.